nous sommes mardi 12 janvier 2010. Je suis avec Saber, avec Elias Telge sur Forum Infoclimat. Donc actuellement, nous sommes sur la départementale 7, à moins de 50 km de Coutances. Donc vous voyez, c'est déjà bien, bien enneigé. Dans la ville de Gavray, qui se transforme en station de... Non mais je me répète, mais c'est la plagne. Voilà, vous avez tout à l'heure. Le centre-ville. Non mais c'est... Ouais bon, le PSC là, il doit faire les canalisations, on a fait... En plus, oh voilà, tiens, il y a la chasse-neige qui vient de... Voici sur un réseau secondaire. Bien sûr, ça n'a pas été dégagé, voire partiellement. Donc on va venir à vitesse évidemment réduite. Le but, c'est d'atteindre le sommet de la colline. Ça risque d'être un peu tendu. Déjà, impossible de faire demi-tour. Ah ouais, comme tu dis, ouais, bah, on peut même pas faire demi-tour. Ça racle en dessous. Dans ces conditions, il vaut mieux éviter tout freinage brusque. Parce que sinon, là, on n'a plus qu'à sortir les pelles. Nous quittons le village du Pinerie, un espèce de hameau où nous avons été accueillis chaleureusement par des Normands. Ouais. Bien sympathique. Donc là, puis c'est, au moment de quitter la baraque, ça recommence à neiger quoi. Ouais. Et ils en ont ras-le-bol ici. C'est clair. Mais pas nous, au contraire, nous il y en a plus, mais c'est, pardon. Enfin, pas pour toi, mais... Bon, moi j'adore ouais, ça, moi j'adore bien. Le gavage, le plâtrage comme ça, là. La visibilité, elle est quand même... Elle sera du bien. On va essayer de monter sur une colline à la sortie de la ville de Saint-Sauveur. Si c'est dégagé, parce que si c'est comme ça... Ouais, c'est dégagé, on fait... nous voici de nouveau sur un des axes principaux de circulation. Vous voyez que sur la route encore. Ouais, ça tient déjà. Oh là. Ah mais quand on va se retrouver bloqué. Ah non, non, non. Pas. Mais non. Ouais. Ouais, faudra bien plus. Bon, la visibilité est limitée à 300 mètres à peu près. Regardez, on voit bien dans la descente. À quel point se situe la visibilité. Ah, c'est là que les paysages sont les plus beaux. Hop, regardez le marais de l'Adriennerie. À droite,
Et à gauche. Et à gauche. On est sur une 10 watts. On est vraiment au milieu de nulle part. Non, c'est vrai, hein, regarde, on voit rien, à gauche et à droite, c'est. Rien du tout. Ça va tenir la neige. Ouais, ça va tenir pendant quelques heures, puis après, ce n'est même plus. Petit de la commune de Varan-Québec, c'est tout simplement extraordinaire ce qu'on a actuellement. Là. Donc là, bon, il neige un petit peu. Il y a Staber qui a failli se planter là comme une. Non, pas comme une merde, mais bon quoi. Ouais, c'est la DDE là qui est au boulot pour. C'est en train de déblayer la neige, enfin les routes du moins. Donc voilà, bah, ils font un travail formidable. Hein. Chapeau. Hein. Là, ça se renforce au niveau de la neige là. C'est impressionnant. Hein. Le cours a l'air d'être de plus en plus gros au cours de la nuit. Ouais, c'est aussi plus visible hein, avec, paradoxalement. Toujours ce couloir là qui nous accompagne. Ah ouais, c'est ça. Il y a des écrans rafales. Hein. Non, c'est pas plus dense. Ouais. Non, c'est à l'air. Ah oui, tu veux passer. Voilà, Martin Bonnet, comment ça va? C'est la route qu'on a prise tout à l'heure. Le 31 janvier, la gueule On rentre dans la nuit. Je crois que c'est plus âgé depuis. C'est le point le plus enneigé apparemment. Bon, et les personnes là qui. Minute de silence célébrée ouais, sur la violence à l'école. La communauté éducative va rendre hommage aujourd'hui devant le nombre de collèges des lycées au jeune Hakim, poignardé vendredi dernier dans un lycée du Kremlin Bicêtre. Le meurtrier présumé a été mis en examen pour homicide volontaire et pour il n'a donné aucune explication à son geste. À son geste et risque. Le vent il se renforce honnêtement. Attends, il va faire comme ça. Attends, avance. Ah mais c'est il reste 4 minutes de truc là, ça va être chaud sur les. Attends, oh, oui. Ouf. Ah oui, ça c'est vraiment une ville vraiment en état de siège. Faut obligé de faire. Oh non, c'est pas Sarajevo non plus. Hein. Putain. Voilà. Mais attends. Oh les voitures, non mais c'est. J'ai pas de batterie. Bah moi pur à l'aise. Enfin c'est pas drôle mais bon. Enfin c'est pas. Oh la vache. Ah mais c'est un merdier. Attends, attention. Est-ce qu'elle a le voiture on a des soirées? Non. Le tas là-bas là. Le rond-point la gueule. Bon il me reste 2 minutes. Et on va remonter là. Désormais il tombe de la pluie verglaçante. Ce qui est très mauvaise nouvelle là pour tous les habitants et aussi pour nous. Parce que ça veut dire que enfin, si les routes sont dessalées ça va, mais sinon ça va être tendu. On entend bien le bruit d'ailleurs. Ah ouais non bon, ça c'est clair. De toute façon on a pu le vérifier sans problème. Donc là on va quitter la haie des puits. Direction Coutances et après. Après direction Rennes puis Nantes.